Bon, alors là, nous sortons du premier week-end de travail de la seconde édition des Imaginaires des Futurs Possibles. Je suis avec Claire de Redboupière et Vinciane Després. Je vais leur demander peut-être de se présenter rapidement. Alors, Claire de Redboupière, donc je suis dramaturge de la compagnie numéro 23 Prod avec Massimo Fourlan. Et puis, je travaille ici avec le Théâtre de Vidi, responsable des artistes et séminaristes, comme on dit, à ce groupe de 15 personnes, de 14 personnes qui réunit 7 artistes et 7 chercheurs en sciences et sciences humaines qui travaillent en compagnie le vendredi après-midi avec Vinciane, Alain et moi autour des questions abordées dans le séminaire grâce à Vinciane Després. C'est des inputs et puis on regarde comment, à partir de là, réfléchir, composer avec ses identités multiples et puis comment envisager des projets peut-être transversaux, collectifs. Alors moi je suis Vinciane Després et je suis philosophe et je suis chercheuse à l'Université de Liège et j'ai eu la chance et le plaisir d'être invitée à collaborer à ce projet qui est un très très beau projet alors qu'il s'est fait, donc on vient de terminer et c'est vrai on a travaillé hier après-midi, toute l'après-midi avec des séminaristes où on a essayé de réfléchir à la question de l'enquête et comment des enquêtes, alors bon, moi je suis très intéressée par la question des enquêtes parce que non seulement la philosophie a toujours fait des enquêtes, enfin pas toujours mais on peut considérer la philosophie aussi comme enquêtrice et bien de réfléchir aussi à la distinction que les enquêtes font les scientifiques des sciences naturelles ou des sciences de l'environnement ou des sciences dites dures et les enquêtes que font les sciences sociales, quelles sont les différences, quelles sont les particularités et aussi comment les artistes sont aussi devenus, particulièrement ces dernières années, des enquêteurs de talent dont notre période, notre époque a impérativement besoin parce qu'il nous arrive quantité d'événements que nous ne savons pas digérer, je pense que c'est de cet ordre-là, auxquels nous ne savons pas donner une forme, qui sont des événements qui nous débordent, qui nous submergent, qui ont des côtés d'invisibilité aussi. Un virus, par exemple, c'est un événement qui a des effets terriblement visibles, mais la forme du virus lui-même, à part ce que les scientifiques nous en disent, mais quelle forme va-t-on donner à tout ce qui nous arrive? Et donc j'étais très intéressée, et donc on a travaillé hier après-midi avec les séminaristes en se disant, tiens, mais comment est-ce qu'une enquête, en fait, d'une certaine manière, déjà d'entrée de jeu, va assigner des rôles, des positions, des identités, à la fois aux chercheurs, à la fois aux collectifs qui sont touchés, concernés, intéressés par cette enquête, et à la fois aux objets sur lesquels portent ces enquêtes, que ce soit des objets humains ou des non-humains. Et donc on a réfléchi à la question de l'assignation et aussi de la possibilité de désassigner. Et donc on s'est raconté des histoires, on s'est raconté des histoires d'assignation, on a appris aussi à faire circuler ces histoires, à voir comment on pouvait les raconter autrement, comment on pouvait apprendre à penser par le fait même d'en prendre en charge des récits. C'était une des choses qui d'ailleurs nous a mobilisés hier. Prendre en charge le récit que quelqu'un d'autre nous fait et le relayer au groupe, eh bien, comment est-ce qu'on commence déjà à déplacer cette histoire? Comment est-ce qu'on lui donne une certaine assignation aussi à cette histoire? Et comment, par cette histoire, on commence à jouer et à rejouer et à déjouer les mécanismes d'assignation? Alors ça, c'était effectivement le premier thème d'enquête, assigner une identité, essayer de figer en fait la situation d'une personne ou d'une situation. La prochaine étape, la prochaine rencontre, ce sera autour de notre rapport à l'animal, notre manière de faire monde avec les animaux. Tout à fait. Mais alors, si on dit ça, on oublie peut-être de parler de la journée d'aujourd'hui que j'ai complètement omise dans ce que je présentais. Parce qu'après cette première journée, cet après-midi préparatoire et le spectacle auquel nous avons assisté hier, puisque tout ceci se fait aussi autour de la programmation, ou en tout cas une bonne part des thématiques de la programmation de Vidi. Et donc hier, il y avait un spectacle qui nous demandait à penser et à mettre en forme la question de l'assignation. Et puis aujourd'hui matin, j'ai fait une petite conférence où j'ai essayé d'expliquer, tiens, mais en quoi est-ce que moi j'essaye de déjouer les rôles, les assignations que font les enquêtes qu'on fait sur le terrain et en quoi est-ce qu'elles peuvent être parfois, des enquêtes peuvent être dangereuses pour les gens, peuvent être toxiques, peuvent leur attribuer des rôles, peuvent les disqualifier sans que le chercheur veuille nécessairement le faire et comment est-ce qu'on essaie de rejouer ces processus en essayant par exemple de créer des savoirs de type, je dirais pas nécessairement participatifs, mais en tout cas des savoirs dans lesquels les gens peuvent s'impliquer et s'engager activement pour déterminer ce qu'ils veulent savoir, comment ils veulent qu'on sache, etc. Et puis, après cette petite conférence, cette mise en bouche, cette mise en train, dirons-nous,
Eh bien, on est allé travailler par des groupes d'une dizaine de personnes et on a travaillé à fabriquer des histoires à partir des objets et à réfléchir à partir des histoires que chacun fabriquait à partir des objets, comment les objets eux-mêmes pouvaient être assignés dans certains rôles, comment on assignait le fait d'amener avec un objet, comment soi-même on était assigné. Et donc c'était toute une recherche sur tous les mécanismes qui jouent dans le rôle d'assignation. Et puis on en arrive en effet à là, et je te relance sur la parole des animaux. Alors effectivement, la deuxième étape concernera nos rapports avec les animaux. Notre manière de faire monde avec eux, c'est un sujet sur lequel tu as beaucoup travaillé. Si tu veux nous dire un petit peu pourquoi tu as choisi, tu as proposé en fait ce deuxième thème d'enquête. D'une part parce que il y a énormément d'enquêtes sur les animaux et il y en a de plus en plus. Non seulement parce que les animaux nous intéressent, je remarque qu'il y a une espèce d'augmentation, d'intensification et d'amplification de l'intérêt qu'on a pour les animaux, que ce soit les animaux qui demandent qui réclament à ce qu'il y ait d'autres traitements à leur égard, hein, que ce soit les animaux de l'élevage, et surtout de l'élevage industriel, que ce soit les animaux familiers, qui visiblement s'avèrent de plus en plus nécessaires dans nos vies, et que ce soit surtout les animaux dont on sait maintenant à quel point la question de vie et de mort se pose de manière cruciale pour eux. Et donc, tout ça mobilise des enquêtes de très, très différents types. J'écoutais ce matin à la télévision une annonce à la télévision suisse qui avait fait un mini-reportage sur le fait qu'en Finlande, ils ont réussi à apprendre à des chiens à détecter par l'odeur les gens qui seraient porteurs du virus. Bon, ben, ça, c'est intéressant. C'est une enquête et c'est à la fois une expérimentation. Et je pense que la manière dont nous définissons les enquêtes, ce sont des expérimentations, puisque les enquêtes auxquelles nous avons affaire, que ce soit des enquêtes d'artistes ou même des enquêtes de scientifiques ou des enquêtes de collectifs, en fait, ce sont des expérimentations, au sens du sociologue John Dewey notamment, mais pas que lui, dans la mesure où on sait très bien qu'en enquêtant, on crée l'objet sur lequel on enquête. On enquête non pas dans un monde donné, mais dans un monde en train de se faire, pour reprendre des thématiques chères à Dewey. Et ça veut dire qu'on est en train de construire à la fois les enquêteurs eux-mêmes se construisent l'identité d'enquêteur en même temps qu'ils construisent leurs objets. Bien. Ces chiens, par exemple, c'est très joli, ce sont des expérimentations, mais qui demandent aussi qu'on enquête sur qu'est-ce que ces chiens, qu'est-ce que le flair, comment est-ce qu'ils peuvent détecter et qu'est-ce qu'on constate. Eh bien, quand on met ces chiens en situation de reconnaître des tissus ou des petits tissus avec lesquels on a frotté un morceau de peau d'une personne contaminée, la détection de ces chiens est extrêmement fiable. Ça veut dire que les animaux sont de plus en plus en train de devenir des alliés, des coopérateurs, des compagnons de vie pour certains d'entre eux. Notamment aussi, je pense que les questions du confinement qui se posent à de nombreux endroits, les animaux domestiques s'avèrent parfois de sérieux supports, notamment parce que comme les gens n'ont plus le droit de se toucher, et qu'on perd vraiment, qu'on ampute réellement les gens de leur corps dans des situations de confinement, je pense que les animaux familiers et domestiques vont jouer un rôle très important. Bref, il y a quantité de raisons de faire des enquêtes pour protéger les animaux, pour modifier leur statut, pour remettre en cause la barrière, la frontière qui existe entre nous, et également pour protéger ceux dont on sait qu'ils sont terriblement menacés et ceux dont on sait qu'ils ne seront plus parmi nous à plus ou moins brève échéance. Et donc, il y avait quantité de raisons de s'intéresser à ce type d'enquête parce qu'elle pose des questions cruciales comme enquête. Et notamment, une question cruciale que posent les animaux, c'est comment est-ce qu'on enquête à partir d'êtres dont on sait qu'il va falloir parler à leur place. Comment est-ce qu'on peut légitimement et comment est-ce qu'on doit faire et comment est-ce qu'on peut le faire de manière la plus responsable possible de parler à la place d'autres êtres en sachant qu'ils ont très peu de moyens de rétorquer si on parle mal d'eux. Alors, ce sera aussi en accompagnement, je pense, je suis quasiment certaine, mais si je dis je pense, c'est parce que notre avenir est toujours si incertain, du spectacle avec un poulpe. Tu peux continuer sur le poulpe, peut-être, le spectacle. Donc oui, le spectacle que Stéphane Kegy va monter avec le poulpe, en collaboration avec l'équipe de Sancho. Ces deux poulpes qu'ils ont accueillis et que tu iras voir cet après-midi, que tu vas te familiariser avec eux aussi, faire connaissance. Et ce sera ce spectacle-là, la prochaine fois, qui est en lien direct en fait, avec cette enquête sur les animaux et qui nous permet de réfléchir, prolonger, continuer ce dialogue en fait, entre le théâtre, la philosophie, les sciences,
les interventions de différents types. Et c'est ça qui est assez beau, c'est ces différents moments qui se mettent ensemble presque organiquement et qui nous permettent de passer d'un langage à l'autre, d'une expérience à l'autre. Et tout ça dans un échange vraiment ouvert entre participants publics et acteurs de la scène et de la science. Et donc le troisième thème d'enquête, ce sera apprendre à convoquer. Alors c'est le titre peut-être le plus énigmatique des quatre enquêtes. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu de quoi il s'agit dans cet apprendre à convoquer ? Eh bien, cher Alain, cher Claire, je vais vous avouer que je ne peux pas. Parce qu'en fait, c'est un sujet dont je pensais qu'il fallait le traiter et je ne sais pas comment on va faire. Et c'est une vraie énigme. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que je ne vois pas encore comment on va pouvoir faire. L'idée, c'est qu'apprendre à convoquer, c'est qui on va apprendre à convoquer. Et en fait, on est dans le même cas de figure que ce qu'on vient d'énoncer à propos des animaux. C'est-à-dire, quand on commence à enquêter sur des êtres extrêmement vulnérables, sur des êtres qui n'ont peut-être pas envie qu'on parle d'eux sur le mode de la vulnérabilité, mais qui n'ont pas envie non plus qu'on les taise, qui n'ont pas envie qu'on néglige ce qui leur est arrivé, mais qui n'ont pas envie d'être définis uniquement par ce qui leur est arrivé. Bref, c'est toutes ces difficultés aujourd'hui qui fait que, je dirais un peu comme Bruno Latour, il nous arrive d'avoir un bœuf sur la langue, c'est-à-dire ça devient très difficile de parler de manière responsable, de parler en sachant tout ce qu'on ne sait pas. Et qu'une chose, par exemple, qu'on ne sait pas, c'est comment bien parler de ceux qui ne parlent pas ou de ceux qui n'ont pas la visibilité dans l'espace public. Alors, c'est comment si on... Alors, on va me dire pourquoi parler à leur place. Oui, mais alors, si on décide qu'on ne va pas parler à leur place, qu'on ne va pas parler pour eux, comment les amener à parler avec nous, etc. Et c'est toutes des questions qui aujourd'hui, n'ont pas de réponse. Il n'y a aucune réponse. Il y a des inventions. Et il y a des inventions qui sont réussies, des inventions qui ratent. Il y a des inventions qui laissent les gens complètement désemparés. Il y a des inventions qu'on considère comme insultantes. Il y a des inventions qui, visiblement, sont des petits miracles. Et tout ça, ça demande une enquête aussi. Donc c'est une enquête sur une enquête qu'on doit faire ici. Et donc je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que c'est encore quelque chose. C'est je ne sais pas, il va falloir que j'enquête avant de préparer ceci. Et peut-être que les séminaristes vont pouvoir m'aider pour le coup. C'est là où les séminaristes du vendredi après-midi, je peux très bien préparer quelque chose sur les animaux parce que ça fait 20 ans que je travaille à ce sujet-là. Je peux très bien préparer des choses sur les enquêtes parce que ça fait des années que je réfléchis comment bien enquêter. Mais ici, je suis vraiment confrontée à quelque chose où je ne sais pas très bien. Et donc, je pense qu'on va devoir travailler tous ensemble avec les séminaristes à poser ces situations. Tu penses par exemple à ce qu'on a eu l'occasion de discuter ces derniers jours autour des personnes dites vulnérables, quand tu parles. Comment est-ce qu'on convoque les personnes vulnérables dans la production du savoir ? Je pense ici à un travail remarquable qui est fait par ATD Quart Monde, oui, qui a développé un protocole de recherche spécifiquement destiné aux personnes dans la grande pauvreté, qui avec beaucoup de précautions arrive en fait à mettre dans un même espace pour produire des connaissances sur les mécanismes de la pauvreté, le milieu académique, enfin des chercheurs du monde académique, les personnes concernées et des intermédiaires, en fait des médiateurs qui sont dont la mission est vraiment de permettre à ces deux groupes d'interagir, alors qu'au départ, évidemment, on ne peut pas les confronter directement. Alors, par exemple, ça, ce seront des choses, on va devoir nous apprendre à les convoquer pour qu'ils viennent nous aider, je pense, parce que c'est là où on a besoin de toutes les expériences possibles et imaginables. Parce que ce que nous devons apprendre aussi, c'est on n'a pas tellement l'habitude, nous les académiques, c'est surtout ne pas nous sentir chez nous pour ce coup-ci. On a plutôt l'habitude de se sentir un peu partout chez nous. Et là, pour le coup, il va falloir qu'on ne se sente pas chez nous et que des gens nous aident à nous dire qu'on n'est pas chez nous, mais qu'on peut quand même essayer de travailler. Et puis alors, la quatrième enquête qui va nous occuper, c'est nos relations avec comment nous vivons avec nos morts, nos relations avec les morts, qui sont envisagées de mille manières, souvent d'une manière assez pauvre en termes d'enquête sur nos pratiques concernant les morts. On est dans un contexte avec cette pandémie en plus qui nous confronte à des morts douloureuses, à des vécus coupés de nos morts parfois. Donc tu as aussi beaucoup travaillé sur cette question, c'est une question qui est très concernante aussi pour les publics qui vont participer à cette enquête. Alors en fait, j'ai mené moi-même une enquête auprès des gens qui ont perdu quelqu'un et qui continuent à entretenir des relations avec cette ou ces personnes. Parce que j'avais été, en fait, c'est venu un peu comme ça. Je me demandais, tiens, comment les gens font-ils quand ils perdent quelqu'un ? Est-ce que la théorie du deuil, est-ce qu'ils y adhèrent vraiment ? Est-ce qu'ils sont vraiment d'accord de faire leur deuil et d'oublier, de trouver ce que les psys appellent un objet d'attachement substitutif ?
J'ai remarqué qu'en fait, les gens n'étaient pas du tout d'accord de trouver des objets d'attachement substitutifs. Ils étaient surtout très intéressés de continuer à voir comment continuer sous des modes les plus... Ça peut être les plus matérialistes, ça peut être les plus enchantés aussi, mais il y a des relations. Il y a des relations, même si celles sont très, très réservées, très discrètes, en disant « je préfère que les morts restent là où ils sont », c'est déjà une façon d'entretenir une relation, c'est de dire « allez, maintenant que tu es mort, tu restes bien mort et moi je reste chez les vivants ». Et puis il y a des gens, non, qui font des choses très 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 jolies, très intéressantes, des rituels, des convocations, il y a des beaux rituels de convocation, c'est-à-dire parler simplement à un mort et voir est-ce qu'il y a une réponse dans l'environnement à un moment donné qui va me faire penser que peut-être il me répondrait, en sachant que les gens ne sont pas du tout en train de se leurrer eux-mêmes, ils ne sont pas du tout en train de dire « c'est sûr que le mort m'a répondu, c'est ça ». Non, en disant « c'est une possibilité », donc ils appellent, ils se rendent disponibles à toutes les interprétations possibles. Et c'est ça qui est très joli. Donc ça m'avait vraiment intéressé. C'était l'intelligence qu'il y avait dans ces relations. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une autre question qui se pose, qui est la question... Alors, je vais faire de la trahison philosophique. Et j'espère que les deux personnes que je vais évoquer ne m'en voudront pas. Mais Achille Mbembe a évoqué le concept, et je trouve que c'est très intéressant, de nécropolitique. Et la nécropolitique, c'est il est politologue, et pour lui, la nécropolitique, c'est le fait que des États s'arrogent la souveraineté de décider non seulement de qui doit vivre, mais de qui doit mourir et comment. Un exemple de nécropolitique, c'est la plantation, c'est le régime de l'esclavage, où il y a des décisions souveraines qui permettent de déterminer qui vit, qui meurt et ça. Paul Preciado a repris ce concept en parlant de nécropolitique et notamment en l'étendant, je crois, au fait que des formes d'exclusion, des formes d'assignation, des formes identitaires, etc., sont des formes qui sont d'une certaine manière toxiques, létales et provoque des formes de mort, qu'elles soient des formes effectives de mort et des formes parfois plus métaphoriques. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce concept de nécropolitique, qui normalement s'adresse au fait que l'État prend en charge ou des organisations prennent en charge de faire mourir d'une certaine manière activement, quels que soient les moyens par lesquels on fait mourir, est-ce que les morts eux-mêmes ne peuvent pas être objets de nécropolitique? Donc ce serait une politique à l'égard des morts. Et par exemple, une théorie qui dirait aux gens, comme ça arrive souvent, vos morts, ils sont morts, vous devez préserver votre santé mentale, il est hors de question que vous continuiez à avoir des relations avec eux. Pour moi, c'est une nécropolitique, puisqu'elle renvoie le mort au néant, elle détermine, donc c'est une décision à la fois politique, épistémologique et ontologique, puisqu'elle détermine que la manière d'être du mort, c'est pas du tout comme les gens ou les morts peut-être même le souhaiteraient. C'est comme l'État ou les psys qui sont parfois, qui peuvent être parfois en effet le bras psychologiquement armé de l'État dans la domestication des psychés. Eh bien, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est en train de faire exister les morts sur des manières qui sont pour eux et pour les vivants qui s'en chargent et qui se chargent de leur perpétuation dans l'être, qui sont extrêmement puissamment violentes. Et puis quand on a dit ça, on dit bon, mais la nécropolitique ne s'adresse pas seulement aux vivants, mais peut faire mourir les morts une deuxième fois. C'est une forme de, je dirais, de double mort, pas au sens écologique du terme, quoique, mais au même sens que la double peine. Ce qu'on appelait double peine, c'est le fait qu'après avoir purgé une peine pénale, un résident dans un pays qui n'a pas la nationalité de ce pays peut se retrouver exclu définitivement de ce pays. Ça veut dire qu'il est puni deux fois. Eh bien, il y aurait une double mort. C'est ça la nécropolitique, c'est d'infliger aux morts une deuxième mort au nom de convictions matérialistes, au nom de convictions laïques, au nom de convictions éventuellement politiques. Et je me rends compte que ce qui s'est passé dans de très nombreux pays à cause du confinement, il y a eu des formes de nécropolitique dans la mesure où tout ce qui est rituel autour de la possibilité de donner ce que j'appellerais une carrière posthume aux morts, c'est-à-dire la possibilité de rester comme mort, mais mort célébrée, mort paisible dans le collectif, a été complètement impossible, a été complètement endommagé. Les rituels funéraires n'ont plus eu lieu, il y a des gens qui ont été enterrés quasiment à la sauvette, les gens n'ont pas pu avoir de rapport avec les corps de leur mort, les cérémonies d'hommage se sont faites soit dans la plus grande solitude, soit pas du tout. Et je me dis, est-ce qu'on n'a pas affaire aussi à nécropolitique dans la mesure où ce que ces morts sont devenus, d'une certaine manière, du fait de ne pas avoir eu toutes ces cérémonies, ces rituels, toutes ces organisations, tous ces processus qui font qu'un mort continue, change de statut et continue à vivre dans le collectif,
on peut se poser la question de savoir si l'entravement et l'empêchement de tous les rituels et des rituels de funérailles, d'ensevelissement, etc., ne va pas, d'une certaine manière, tuer les morts une deuxième fois. Et qu'est-ce qui se passe quand on... Alors là, il faut se poser la question, c'est, il faut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans les autres cultures, et même parfois dans la nôtre, mais dans des temps qui sont des temps du passé, quand les morts n'ont pas reçu les soins qui leur permettaient d'être morts, ah ben ça fabrique des fantômes. Ça fabrique des fantômes. Il y a eu des fantômes en 14-18, énormément. Énormément de fantômes en 14-18. Il y a énormément de fantômes au Vietnam. Il y a énormément de fantômes en Roumanie. Il y a énormément de fantômes au Guatemala. Quand on découvre des charniers, vous découvrez des fantômes. Et parfois, ce sont les fantômes qui vous disent qu'il y a des charniers, parce qu'il y a eu des massacres. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un fantôme ? C'est l'indice qu'il y a un passé qui ne passe pas dans le présent. Alors je me dis, tiens, mais qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va se retrouver, nous, avec des fantômes ? Et quelle forme vont-ils prendre ? Et comment est-ce qu'on va être capable de négocier avec eux ? Et je me dis, ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait discuter à cette occasion-là. C'est quels sont les rituels qui vont nous permettre, s'il y a des fantômes qui reviennent, quels seront les rituels qui nous permettent de les apaiser ? Et s'ils ne reviennent pas, peut-être se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas revenus ? Qu'est-ce qui les a empêchés de revenir ? Et peut-être qu'est-ce que nous, on devra encore faire ? Parce que la culpabilité des vivants, elle est assez redoutable à l'égard de ces manquements. C'est très étonnant, c'est que les vivants se reprochent à eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas pu faire alors qu'ils étaient tout à fait légitimement, autorisés à ne pas le faire puisqu'ils étaient interdits de le faire. On voit bien que ce travail d'enquête collective là, qui associe des chercheurs, des artistes et une partie du public est vraiment prise dans l'actualité. Donc on voit qu'on se coltine avec des objets qui sont encore flous, mal définis, chevelus, etc., qu'on essaie de saisir. Mais je poserai la question à Claire qui est en charge en fait, de la dynamique en fait, du groupe de chercheurs et d'artistes. De quelle forme finale va prendre cette enquête ? Ou est-ce qu'il y a des formes qui sont imaginées pour cette enquête ? Alors, en ce qui concerne justement notre groupe de séminaristes, l'idée c'est vraiment d'essayer de les encourager, de les accompagner à penser ensemble. C'est-à-dire d'une part, depuis des spécificités qui peuvent être tout à fait différentes, peut-être un historien de la criminalité ou un historien de l'environnement ou encore un historien de la littérature, comment est-ce qu'il peut aborder ces questions, avec quels outils, quels sont ses champs de recherche et comment est-ce qu'il peut s'associer, faire équipe, collaborer avec un artiste contemporain qui vient soit des arts plastiques et de la performance ou alors quelqu'un qui vient de la danse ou encore du théâtre et de se demander ensemble comment est-ce qu'on peut penser la complexité de ces questions qui sont vraiment à la fois extrêmement subtiles comme toujours telles que Vinciane nous apprend à les regarder et puis en même temps qui appartiennent à tous. Et c'est ça qui est assez beau dans ces quatre moments du séminaire, c'est qu'à la fois on est dans de l'exigence de la pensée qui est vraiment absolument essentielle, apprendre à penser ensemble, qu'est-ce que c'est que se mettre au travail de la pensée, parce qu'on en a besoin plus que jamais, et puis en même temps qui est de se dire tout le monde a le droit de penser. En fait, c'est quelque chose qui se partage et chacun a une place dans ce dispositif pour échanger, pour construire, co-construire. Et la place des séminaristes, elle sera justement peut-être de proposer ensuite une forme qui sera une forme artistique, théâtrale ou performative à partir de ces questions-là, de cette façon dont eux restituent et donnent forme à ces enquêtes. On peut imaginer d'ailleurs qu'on retrouve dans cette forme des prestations des chercheurs et des chercheuses et des artistes et pas uniquement des artistes. Ah, bien sûr, c'est ça. Oui, absolument. Avec du corps, éventuellement des chercheurs. Évidemment. C'est ça l'idéal, c'est que justement on déplace à la fois les artistes et les chercheurs, qu'on n'ait pas quelque chose qui a sens unique, qui est de dire les chercheurs confient quelque chose aux artistes et les artistes se chargent de les mettre en forme, mais qu'on ait vraiment un principe de collaboration qui fait que deux recherches se rejoignent et qu'ensemble ils cherchent la bonne façon de la présenter, mais où le corps des chercheurs et le corps des artistes est autant présent, la pensée de l'un, la pensée de l'autre, et qu'on se dise, voilà, quels sont ces ponts, ces collaborations, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça invente en fait, comment est-ce qu'on invente de nouvelles formes ensemble. Dans ce sens-là, on peut dire qu'on a bien fait de choisir l'assignation comme première thématique, puisque un des enjeux du démarrage du processus, c'est de désassigner les chercheurs et les chercheuses, chercheurs et les chercheuses d'un côté et les artistes de l'autre, de leur univers de pratique habituel, hein, de déstabiliser un peu leur cadre de pratique, leur cadre normatif, pour qu'ils puissent se trouver sur un plan
sur un plan d'égalité, en fait, pour aller au-delà de leurs pratiques habituelles. Tout à fait, et je pense que ça va même, et c'est un geste qu'on essaye, mais sur un autre mode, avec un autre dispositif, de reproduire le lendemain, puisque là, avec le public et les petits ateliers qu'on fabrique avec eux, c'est par exemple, on leur demande de créer des histoires, de créer des fictions, et c'est-à-dire, en fait, ce qu'on leur demande, c'est on leur apporte du matériel, enfin, c'est ce qu'on espère qu'on fera, on leur apporte du matériel, on leur apporte du savoir, on leur apporte, ben voilà ce que nous, on a appris, nous, chercheurs, voilà ce que nous, on fabrique, nous, scientifiques, et on essaye de leur dire, bien, mais aidez-nous à rendre encore plus poreux, finalement, la frontière disciplinaire entre d'un côté l'art, de l'autre côté, la littérature et le domaine de la fiction, de l'invention, de l'imagination, on est dans l'imaginaire des possibles. Et troisième lieu, le domaine simplement des savoirs et des choses qu'on sait et avec lesquelles ben, ce monde, d'une certaine manière, avec les choses qu'on sait, qu'on peut commencer à fabriquer des histoires. Donc en ce sens-là, on retrouve la place que la fiction occupe dans le processus, l'imaginaire des futurs possibles, c'est vraiment l'idée d'augmenter notre puissance d'agir. Hein. C'est ça qu'on essaie de reproduire à la fois dans le séminaire avec ces 14 personnes, mais aussi dans les groupes le lendemain avec les publics qui sont rassemblés ici. Absolument. Tout à fait, d'autant plus que cette puissance d'agir, en fait, alors puisqu'on était à la fois dans la définition d'une très bonne traduction française de ce qu'on appelle agency en anglais, hein, c'est-à-dire ce qui nous permet en effet de devenir acteurs. Hein, je veux dire, comment est-ce que les animaux ont des puissances d'agir, comment est-ce que les plantes ont des puissances d'agir, c'est des choses qu'on est en train de découvrir pour le moment. Donc c'est l'agentivité, et c'est en même temps la formule spinoziste, la formule de Spinoza, qu'est-ce qui augmente notre puissance d'agir. Et là on retrouve l'idée spinoziste qui est très jolie aussi, c'est fabriquer des fictions ensemble, réunir des artistes et scientifiques pour des ateliers qui sont des ateliers détendus où on essaye de s'amuser, parce qu'on essaye aussi de créer et de s'amuser, assister à des spectacles, vivre la joie de la possibilité. Et cette joie, c'est pas rien, cette joie de la création des spectacles, parce que maintenant que c'est de plus en plus menacé, maintenant qu'on en a été privé, je pense qu'on découvre à quel point il y a de la joie aussi à pouvoir bénéficier de ces lieux que sont les lieux théâtraux, de spectacles vivants, de spectacles, d'assister aussi à des créations qui viennent d'être faites, parce que c'est ça aussi, la plupart des œuvres que Vidi nous présente, ce sont soit des œuvres qui ont été, dont Vidi était en partie prenante, je dirais commanditaire, puisqu'on peut utiliser soit dans la production, etc., soit qu'ils ont offert des résidences aux artistes, soit qu'ils ont encouragé la création, et donc on a aussi des œuvres qui sont plus contemporaine que ça, c'est pas possible, et on assiste d'une certaine manière à parfois à un début de création, à la première version de l'œuvre, en sachant qu'elle va continuer sa vie, qu'elle va continuer sa route, et ça c'est merveilleux. Et tout ça, je pense que c'est ça qui procure de la joie. Et travailler avec le lendemain les gens qui sont venus assister à la conférence, et puis travailler avec eux sur le fait de fabriquer des histoires, ben, écoutez, on était dans les locaux ce matin, nous savons, on était encore relativement sérieux parce que je surveillais, mais la salle à côté, c'était fou rire sur fou rire, et on s'est dit, bon, ben, c'est ça créer, quoi, il y a de la joie. Et même si moi je disais on était plus sérieux, on souriait beaucoup, et on a même quelquefois ri devant les histoires les plus désopilantes d'un caillou qui réclamait de rencontrer quelqu'un, devant un chapeau qui cherchait une tête misanthrope, bref, de tas d'histoires qui sont devenues de plus en plus fantasques. Et ça, il me semble que c'est ça aussi où l'imagination, non seulement ça permet d'imaginer que le monde pourrait être autrement, et c'est pas inutile de penser que le monde pourrait être autrement, c'est même très utile, mais aussi de l'imagination, c'est aussi des sources terribles de plaisir, c'est des sources terribles d'épanouissement, d'émancipation du réel tel qu'il est. Et oui, on émancipe soi-même et les choses de l'obligation qu'elles ont à être. Voilà, c'est une façon, c'est ça jouer. En fait, jouer, c'est émanciper les choses de leur obligation à être ce qu'elles sont. Quand vous prenez une bouteille en plastique, que vous jetez dedans comme si c'était un ballon, ben vous venez d'émanciper la bouteille en plastique de l'obligation à être une bouteille en plastique. Et ben, c'est ça l'imagination. Et ben, quand on crée des histoires, eh bien, on commence à émanciper le réel tel qu'on le connaît de son obligation à être tel qu'il est. Ce qui permet une émancipation à tous les niveaux, en effet, des partenariats, on peut dire, parce que là, on émancipe le public presque de sa première fonction d'être public, oui. C'est-à-dire d'assister et de devenir acteur. Et puis, pareil pour les chercheurs et les artistes qui seraient
confinés dans leur rôle d'artiste, de chercheur. On a une circulation du coup des places et pareil pour nous en fait, même dans la composition, c'est-à-dire d'être à la fois à l'écoute, participant, découvrant et comme toujours apprenant de ce nouveau dispositif. Et ça permet, ce qui était intéressant, c'est de voir dans l'appel à proposition, l'appel à candidature qu'on a faite aux jeunes chercheuses et aux jeunes chercheurs de l'UNIL, la diversité, la créativité qui était là, l'attente en fait dans notre institution, de personnes qui souvent avaient une double activité artistique et de recherche, et donc de les inviter à rentrer dans ce genre de processus. Et c'est un dispositif assez exemplaire pour reproduire en fait sur le long terme dans les institutions universitaires aussi ce type de démarche. Et peut-être parler clair, puisque c'est toi qui va vraiment prendre la main sur la dernière fois qu'on se reverra tous, avec je pense quelques jours en anticipant pour préparer. Tu peux peut-être nous parler un peu de ce que tu projettes. Oui, alors ce théâtre des futurs possibles, on l'imagine justement à ce moment-là dans les lieux du théâtre, donc dans des salles, je ne sais pas, on va définir avec chacun des artistes et chercheurs, avec ces groupes, ces collectifs, quel est le meilleur lieu et la meilleure façon de présenter le résultat de cette enquête, de cette recherche. Et on va inventer un parcours pour le spectateur qui sera de passer d'une forme à l'autre et d'essayer à chaque fois de se déplacer dans la proposition. Et puis donc ça va être quelque chose d'assez joyeux, tout le monde va travailler sur place pendant quelques jours et puis il y aura ce moment de restitution où justement l'idée c'est de rendre visible l'enquête, lui inventer des formes, de nouveaux dispositifs et nous on sera plus ou moins, je ne sais pas encore comment, partie prenante de ça et de la fabrication et de la visibilité de ces différentes propositions. Bon, finalement c'est aussi un moyen peut-être de diversifier les formats de restitution de l'enquête par rapport à ceux qui sont habituels dans le monde universitaire, qui sont en général les publications écrites, et qui souvent, pour des raisons de contraintes formelles, de rigueur, sont assez peu propices à rendre le contenu en émotion, à immerger en quelque sorte les personnes qui n'ont pas participé à l'enquête dans sa restitution. Oui, la dimension visuelle, de création, ou peut-être justement on va accéder encore, hein, parce qu'évidemment, il y a l'enquête, mais il y a la forme. Quelle forme on lui trouve? Et sans doute aussi l'enquête, elle va peut-être parfois aussi disparaître derrière la forme. Et c'est ça qui est assez beau, c'est qu'en fait, on se retrouve face à une proposition. Et à nouveau, laissant des signes, des traces de quelle était l'enquête, on va demander en fait aux spectateurs, aux passants, de s'imaginer quelle a été l'enquête, de comprendre la démarche, et puis de se dire, ben voilà, finalement, c'est ça qui est proposé, c'est cette forme-là, c'est cette énigme-là aussi peut-être, avec un langage beaucoup plus émotionnel, visuel, sensuel que ne peut l'être, comme tu dis, la recherche telle qu'elle pourrait apparaître dans une publication.